Ah, la chanté, il est venu me voir, regardez, il est venu me voir avec son camion et. Tu vois, là, la CNCO pour pouvoir. Et tu vis vraiment à l'intérieur, c'est ta maison, ça c'est ta maison. Provisoirement, oui. C'est pas normal. La chanté, si je me permets de le snapper, déjà je lui ai demandé, il a accepté et il a voulu que. T'as voulu que je mette ton CV. Exactement. Mais avant de mettre ton CV, tu m'accordes une faveur? C'est que je viens dormir chez moi. Ok, pas de soucis. Tu viens à la maison, tu prends une douche, on va te donner une nouvelle tenue. Et demain, on va essayer de mettre ton CV. Voilà. Et Inch'Allah, comme on dit chez nous, il y a une entreprise qui te contactera. Tu recherches dans quoi? En mécanique, toute mécanique, toi spécialement, ça serait bien que ça soit montage de pneus. J'espère que tu vas aimer ma douche. Tiens, il y a des serviettes. Ça, donne, c'est bon, tes CV et tout, c'est demain. Là, prends ta douche, tranquille, et je t'attends en bas. Okay. Mais pourquoi tu te prends la tête, Mansour? Viens, Mansour. Montre-lui comment nous, on mange avec le khobz. Bel khobz. Tu coupes un morceau de pain, et tu khammes... Hop, là. Essaye. Tiens. Voilà. Tu ramasses. Tu ramasses, mais non, mais Mansour, c'est un peu dégueulasse. Mansour, laisse-moi avoir confiance en toi. Regarde, s'il te plaît, Samos, il y a 450 euros. Prends-les. Regarde, oulala, Adem, je te snap plus, je te boude. Si tu veux regagner ma confiance, prends les 450 euros et va lui acheter des habits. Mais prends-lui des habits propres, genre une belle tenue qui soit présentable. C'est bon, Mansour. Je peux te faire confiance. Va avec lui, Seb. Prends tous les tickets. Ouais, ne lui laisse pas et nullement confiance en ce type. Ah, t'inquiète, tout le monde. Obligé, tous qui sont de ma génération ou un peu plus vieux que moi, ils connaissent cette fille. Oh, à l'époque, j'avais honte de l'écouter devant mes collègues. Tout le monde avait honte de l'écouter, mais tout le monde. Je vais même pas parler à lui. Je vais parler à toi, Sébastien. Mm-hmm. T'as quel âge? 40 ans. 40 ans? T'as combien d'enfants? Deux. Et t'es parti acheter un survêt de Lacoste? Pourquoi tu lui as fait ça? J'ai acheté des habits, tu m'as dit des habits, frérot. Et ça, c'est des habits? Mais c'est quoi alors? T'aimes bien ta tenue là? Ouais, ça va, j'aime bien. Ah, t'aimes bien? J'aime bien. Après, c'est sûr, me présenter devant un patron habillé comme ça, c'est pas trop le cas. Non, ça veut dire que demain, vous avez gardé les tickets de caisse? Ouais. Je vais. Ça masse, oula, regarde. Mais oula, je te donne plus rien. Oula,